Salut la team, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, j'aimerais profiter du thème de cette vidéo pour souhaiter une belle fête de la femme à toutes les femmes du monde et en particulier aux mères. À présent, revenons au sujet de la vidéo. La mère du footballeur Hakimi fait des révélations au sujet de l'histoire de viol qui est reprochée à Hakimi depuis quelque temps. En effet, ça fait déjà une semaine que le dossier Hakimi est actuellement entre les mains de la justice. Plus le temps passe, plus les nouvelles révélations voient le jour. C'est au tour de la mère d'Hakimi de donner son point de vue sur cette affaire. Achraf Hakimi a été mis en examen dans l'affaire de viol dans laquelle il est en ce moment impliqué. Accusé par une jeune dame de 24 ans, c'est par l'intermédiaire de son avocate, Maître Fanny Colline, que le Marocain a réagi. Lors de son audition, Achraf Hakimi a fermement démenti les accusations portées contre lui. À présent, c'est au tour de la mère d'Hakimi de donner son point de vue. En effet, elle a fait une déclaration pour mettre les points sur les i. Elle a déclaré ceci. « Mon cœur me dit que mon fils est innocent et qu'il bénéficie d'une bonne éducation. Il ne mérite pas ce qui lui est arrivé. Je lui ai parlé de l'affaire et il m'a juré qu'il était innocent. » Comme toutes les mères, la maman de Hakimi est inquiète à propos de ce qui se dit sur son fils. Étant donné que les accusations sont graves, elle a tenu à poser la question à son fils dans le but de se rassurer de son innocence. Et comme on a souvent l'habitude de le dire, les mères savent quand leur enfant ne dit pas la vérité. Ainsi, après avoir échangé avec son fils, elle a tiré ses propres conclusions et pour elle, elle est convaincue que son fils est innocent. Malgré le fait que ce genre de déclaration ne puisse pas influencer la décision de la justice, ça reste très important pour Hakimi de savoir qu'il a le soutien de sa mère dans cette affaire. D'un autre côté, une mère reste la personne qui nous connaît le mieux. C'est elle qui nous met au monde, c'est elle qui nous éduque, c'est elle qui prend soin de nous, jusqu'à ce qu'on soit capable de voler de nos propres ailes. C'est pour cette raison que les mères savent à 90% de quoi est capable leurs enfants. De toutes les façons, nous faisons entièrement confiance à la justice, tout en espérant que Hakimi soit vraiment innocent. En attendant, c'est déjà la fin de cette vidéo, faites-nous savoir si vous l'avez aimé. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour soutenir la chaîne. C'est complètement gratuit pour vous, mais ça nous aide énormément. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.